Un chêne est un être vivant. Mais regardez-y de plus près et vous verrez qu'il abrite également une foule d'autres êtres vivants. Il y en a partout. Certains sont enfouis profondément dans le sol. D'autres, au contraire, préfèrent coloniser les branches. Les écureuils grignotent les fruits. Les champignons poussent sur les feuilles. Des insectes croquent le bois ou les feuilles. Certains y creusent même des galeries. De nombreuses chenilles peuvent passer toute leur vie sur le même chêne. Enfin, jusqu'à ce qu'un oiseau passe par là et s'en fasse un casse-croûte. Certains insectes peuvent se faire construire un abri par le chêne. On appelle ces abris des galles. Ouvrez la gale, vous y verrez une minuscule larve d'insectes. Les oiseaux, les écureuils, les insectes, les champignons sont tous connectés les uns aux autres. Ils dépendent les uns des autres pour leur nourriture et leur abri. On appelle cela un réseau écologique. Les saisons passent et le chêne change, et avec lui toute la communauté qui lui est associée. De nombreux insectes passent l'hiver dans le sol, à l'abri du chêne. Le printemps venu, les feuilles et les fleurs sortent des bourgeons et se déploient. La communauté se réveille. De nouveaux venus arrivent. Au printemps, c'est l'abondance pour les amateurs de feuilles fraîches. Et les chenilles dodues sont à leur tour au menu des oisillons fraîchement éclos. Et au menu des parasitoïdes, de petits insectes qui pondent leurs œufs dans le corps d'autres insectes. Sitôt écloses, les larves des parasitoïdes vivent dans leur nourriture. L'été succède au printemps. Voilà la nouvelle génération. Et puis l'automne arrive, les feuilles et les glands tombent, pour le plus grand plaisir des oiseaux. Et revoilà l'hiver. Tous les membres de cette communauté vivent à leur propre rythme, calqué sur celui des saisons. Pour survivre, tous doivent être au bon endroit, au bon moment. Mais voilà, le climat de la Terre est en train de changer, et avec lui le rythme des saisons. Le rythme de vie des plantes et des animaux change également. Quelques degrés de plus et le développement des insectes s'accélère. Les feuilles peuvent aussi se déployer au mauvais moment. Même un tout petit dérèglement dans le rythme des saisons pourrait désorganiser le réseau écologique qui réunit les membres de la communauté. Nous aussi, nous sommes dépendants du rythme des saisons. Nous étudions la phénologie, c'est-à-dire les rythmes de la nature depuis longtemps. Depuis assez longtemps pour observer les premiers décalages dans les rythmes des différents membres de la communauté. Certains phénomènes arrivent plus tôt, d'autres plus tard que par le passé. Nous essayons de comprendre les conséquences que ces décalages peuvent avoir sur les plantes, sur les animaux et sur nous-mêmes. La tâche est compliquée, mais pas impossible. Ensemble, nous pouvons y arriver. Chacun peut observer ce qui se passe autour de lui pour se rendre compte des changements. Et chacun peut agir au quotidien pour limiter ces changements. Parce que tous, de la plus minuscule larve jusqu'au plus grand chêne, tous, nous faisons partie de la même communauté.